Au marché binational, c'est un marché côté que deux nations mettent tête ensemble pour être capable de vendre produits, acheter produits. Et c'est pas un marché côté que une nation a acheté et puis une nation lui-même c'est vendre la vente seulement. C'est l'argent la fait et puis l'autre nation lui-même l'a dépassé. Non. Mais amis internautes, comment nous y est? Je viens nous être la caillou pour informé sur la situation qui a passé sous frontière Waname-Dahabonglan. Je nous connais déjà, Super News là pour informer de la situation qui a passé au niveau national et même international. Et contrairement à Rime qui a circulé matin lundi 11 décembre 2023, qui dit que la barrière frontière Waname-Dahabonglan lui-même l'a ouvert, nous-mêmes, nous constatons que c'est une rumeur, que c'est une fausse information. Et je dis à là, nous sommes capables de dire que si machin cap vend dans le marché qui aurait les marchés en bas massacre là, ils étaient là pour être capables de manifester, pour être réouvrir frontière là, qui c'est barrière frontière Wana maintenant. Et heureusement, tu as gagné force de l'audio qui était là, qui te fait ti machin sa yo évacuer espace là. Et jusqu'à présent, nous capable dire que frontière là rete ouvri jusqu'à nouvel ordre. Et n'a rappelé que mercredi qui était 6 décembre 2023, côté que gouvernement te chita ensemble avec autorité locale yo pour te capable comment te ka réouvrir frontière là ou bien fermer frontière là jusqu'à nouvel ordre. Et ça qui sorti dans décision gouvernement et autorité locale yo, c'est que yo pas dans couloir commercial, yo pas dans corridor commercial, frontière là a fermé jusqu'à nouvel ordre. Et rumeur cap circulé jodi lundi a, c'est une rumeur qui faux. C'est une fausse information et jusqu'à présent, frontière là toujours été fermée. Nous capables, c'est seulement moun qui a sorti en République dominicaine qui a rentré la caillou qui a accès passé dans barrière. Yon moun qui sorti Haïti pas gain accès passé dans barrière pour rentrer en République dominicaine. C'est moun qui décide de quitter pays voisin pour venir construire la caillou qui gain accès à barrière frontière Waname-Dahabonglan pour être capable voir comment yo té capable l'ouvrir frontière là ou bien fermer frontière là jusqu'à nouvel ordre. Et nous capable et ça qui sorti comme entente dans rencontre là, c'est que frontière Dahabonglan et Waname-Dahabonglan il fermé jusqu'à nouvel ordre jusqu'à ce que décision prend pour yo capable ouvrir marché binational là. Nous pas dans couloir commercial, nous pas dans corridor commercial, mais yo veulent pour marché a fonctionner normal. Gouvernement ensemble avec autorité locale yo décidé fermer frontière là jusqu'à nouvel ordre. Et mesdames, messieurs, amis internautes,